Alliance Assurance, partenaire de l'invité du direct. Alliance Assurance, avançant en toute confiance. Pour bien s'entendre, il faut bien s'écouter. Rendez-vous sur M, la petite radio du Grand Maghreb. Bonjour, on se retrouve dans la bonne humeur dans cette première semaine de Iftar avec Monsieur Hassan Khlifati, président directeur général de Alliance Assurance. Monsieur Khlifati, bonjour, bienvenue. Bonjour. Toujours content de vous recevoir. Hassan Khlifati a aujourd'hui un petit souci avec sa voix. Alors, les mauvaises langues disent que vous avez supporté le Portugal et c'est ça qui vous a fait perdre votre voix. C'est juste un changement de climat, peut-être. Et mauvaise utilisation. On va faire bon de notre mieux pour assurer. Voilà, voilà. Merci en tous les cas d'être quand même venu à cette première émission d'après Ramadan de l'invité du direct. Hassan, lui, n'a pas perdu sa voix. C'est un autre Hassan. C'est Hassan Haddouche, fidèle parmi les fidèles. Bonjour. Voilà, oui, la voix est nickel. Hassan, ouais. La voix est nickel. Il n'a pas crié devant la télé. Il a crié. Pas du tout. Alors, nous avons comme habitude donc, de recevoir les chefs d'entreprise à la fin du mois de juin, juillet, parce que c'est la saison des clôtures, des bilans. On a fini par solder les comptes de l'année précédente. On en profite aussi pour parler de la conjoncture de 2016, parce qu'on ne va pas s'arrêter à 2015. Donc, vos comptes, vous avez fait tenu il y a à peu près un mois votre Assemblée générale d'Alliance Assurance. Quels sont les résultats que vous avez annoncés à vos actionnaires, M. Khlifati ? Bonjour. Effectivement, nous avons tenu notre Assemblée générale ordinaire le 28 mai. Les résultats. Nous avons eu une croissance de 0,1%. Le marché a fait 0,2%. Le résultat net était de 360 millions de dinars. Et nous avons décidé de distribuer un dividende par action de 35 dinars qui représente quand même un rendement sur le cours actuel de 7%. On parlera plus tard de ce choix d'avoir donné un tel dividende aux actionnaires. Alors, la croissance de 0,1%, c'est une croissance du chiffre d'affaires. Oui. Ce n'est pas une croissance du résultat. Non, le résultat, quand même, il a progressé de 2% par rapport à l'année N-1, malgré que le chiffre d'affaires n'a pas augmenté. Ceci est le résultat de beaucoup d'actions internes, notamment d'assainissement, notamment d'efficacité opérationnelle en sinistre, en choix en commercial et en termes de souscription et de maîtrise de charges. Donc il y a, on va dire, une plus forte profitabilité sur un chiffre d'affaires qui n'a pas réellement augmenté. Et à l'intérieur de ce volume d'affaires, il y a une marge opérationnelle meilleure. Oui, si on peut dire. On est allé chercher un peu le gras à l'interne. D'abord, nous avons beaucoup travaillé en 2015 sur le système d'information, donc la maîtrise de l'activité, et aussi sur l'orientation de la bonne souscription. Nous avons perdu quand même 200 millions de dinars de chiffre d'affaires automobile particulier, mais c'était fait exprès parce que nous avons mis en place des politiques de souscription pour éviter d'aller sur des souscriptions qui nous font perdre beaucoup d'argent. En d'autres termes, on va dire qu'Alliance s'est mis à choisir ses clients en bonifiant, en appliquant un malus pour ceux qui coûtaient cher. Oui, étant donné que le secteur des assurances n'a pas voulu s'unir pour un petit peu moraliser les choses, nous avons été obligés de prendre nos responsabilités et de mettre en place un système qui bonifie les bons clients et qui d'une certaine manière sanctionne financièrement les mauvais clients ou les clients qui ne respectent pas un certain nombre de règles de bonne conduite. Alors, donc, vous avez appliqué bonus-malus au niveau de Alliance Assurance. Oui, monsieur. Vous avez des informations qui permettent de. Oui, oui, nous avons d'abord fait en sorte. Parce que nous avons remarqué que
Il y a eu un comportement qui est national, qui n'est pas chez Allianz, c'est que les gens, surtout qui sont en tourisme, ils ne déclarent pas le tiers. Le tiers, alors qu'il en a. Il en a, et des fois, ça nous pose un problème parce que d'abord, nous le remboursons lui parce qu'il est en tourisme, et on ne sait pas qu'il avait un tiers qu'il avait déclaré, et on est demandé par une compagnie adverse pour rembourser des dégâts sur lesquels on n'a pas été informé. Ouais. On n'a pas été informé. Bon, on a essayé de faire des actions en justice pour faire des fausses déclarations, etc. Bon, on n'a pas eu beaucoup de succès. Maintenant, on a dit, celui qui ramène le tiers, il sera bonifié. Celui qui ne ramène pas le tiers, il sera, c'est-à-dire... il paiera plus de franchises. Financièrement, ce n'est pas plus intéressant. Et ça a donné beaucoup de résultats. Le nombre de contrats X sur les 6 mois de l'année dernière et jusqu'au 30 juin de 2016, il a baissé de 45%. La déclaration contrats X. D'accord. Moi, je voulais poser à ce stade-là une question, parce qu'on a évoqué tout de suite la branche automobile. On parle des résultats de 2015. Bon, le gros de la dépression du marché automobile, ce n'est pas en 2015. En 2015, il y a quand même eu 300 000 importations. Alors, en principe, on pouvait s'attendre avec 300 000 importations à une bonne tenue des résultats des compagnies. Pourquoi le secteur ne fait que 0,2%? C'est une très bonne question et je vais argumenter un petit peu. D'abord... En 2015, c'est ça le mal du secteur des assurances. Le mal, il commence par là. Et on va aller jusqu'à le problème de la solvabilité des compagnies et de la capacité future à tenir leurs engagements et à pouvoir rembourser. Parce qu'aujourd'hui, on parle de entre 1,5 million et 2 millions de sinistres en suspens. Donc, et la capacité future de les rembourser. En 2015, il y a eu 300 000 véhicules. On parle, certaines informations non confirmées, parlent d'une immatriculation de 500 000, parce qu'il y avait un stock chez les concessionnaires. Et comme il y avait la rumeur de l'arrêt des importations, les stocks sont partis encore un peu plus vite. Et nous avons, disons, 400 000 véhicules, avec une moyenne de 40 000 dinars de prime, c'est 16 milliards de dinars qui devaient venir se rajouter. Sur les 16 milliards en automobile. Généralement, les autres branches représentent 30% du marché. Il y a eu des projets engineering, IRD, donc on parle de 25 milliards de dinars. Sur 25 milliards de dinars, on a fait moins de 200 millions de dinars. De croissance. De croissance. On a capté moins de 200 millions. 193 millions selon les chiffres provisoires du CNA du mois de mars. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé un phénomène. Il y a eu le problème du dumping et du cassage des prix. C'est-à-dire, on a, même si on a capté cette manne, avec le cassage des prix, le problème du dumping, on a absorbé cette manne et on n'arrive plus à... Alors, ça signifie, pour que nos auditeurs puissent suivre ce raisonnement, ça signifie que quand vous faites la simulation 400 000 véhicules fois 40 000 dinars, le 40 000 dinars, ce n'est pas 40 000 dinars. Oui. La prime d'assurance... Non, peut-être on les a fait, mais on a cassé le prix sur les années précédentes, c'est-à-dire sur le potentiel global, que même si on les a captés... Il n'y a pas que les véhicules importés qui C'est le comportement global du marché, c'est-à-dire quand une compagnie donne 83% de remise pour tous les employés d'une institution, avec leurs femmes, leurs enfants, leurs descendants, leurs ascendants, vous savez, c'est... Mais est-ce qu'elle aura la capacité demain de rembourser ces sinistres? Parce qu'aujourd'hui, nous avons le stock sinistre qui augmente d'année en année. Mais est-ce qu'on se pose la question? Est-ce qu'on pourra demain faire face? Est-ce qu'on aura... Vous ne nous avez pas donné le chiffre de la branche auto en 2015. Vous avez dit l'ensemble du secteur, c'est 0,2% de croissance. La branche auto, c'est combien? C'est de 2%. Plus 2% pour la plus branche auto. Plus 2%. Oui. On parle du secteur, parce qu'on parle du secteur, on parle d'Allianz.
Non, je parle du secteur. Non, Alliance, comme je vous ai dit, nous avons eu moins 1% en automobile parce que comme on a mis une nouvelle politique, une certaine catégorie de clientèle nous a quittés. Mais ça nous a donné des meilleurs résultats techniques, malgré qu'on a perdu dans le chiffre d'affaires automobile particulier. Mais les résultats techniques ont été meilleurs. Ce grand écart entre le parc, le risque qu'il faut assurer, qui a grandi. Oui. On parle de la branche automobile, il a grandi, c'est à 300 ou 400 000 nouvelles voitures. Entre ce risque qu'il faut assurer et la capacité à le couvrir, ça retentit comment dans la comptabilité des compagnies et dans leurs prestations, le rallongement des délais de remboursement c'est-à-dire, le problème aujourd'hui, c'est ça. C'est-à-dire, quand vous n'avez pas la capacité, vous avez l'illusion de faire des affaires, mais le stock, il grandit d'année en année. C'est-à-dire, le stock, normalement, le stock des sinistres ne doit pas... Vous dites de 1 à 1,5 million de dossiers en suspens. C'est des estimations. C'est des estimations. 1 million, c'est sûr. Mais on parle de 1 million. On peut aller jusqu'à 1,5 million. Je pense que c'est le chiffre le plus réaliste. Qu'est-ce qu'il y a eu comme remboursement de sinistres en 2015? On connaît le chiffre? On n'a pas le chiffre en nombre. On a le chiffre en valeur, 50 milliards de dinars. 50 milliards de remboursement. De remboursement sinistre. C'est en croissance aussi? Oui, c'est en croissance, mais ouais. Cette croissance, elle est expliquée aussi par l'inflation et l'augmentation de la valeur de l'inflation à cause de la dévaluation du dinar et de l'augmentation des prix de la pièce de rechange. Voilà. Mais en nombre, aujourd'hui, vous avez des centaines de milliers de dossiers qui concernent les années 2011, 2012, 2013, 2014, et ça s'accumule. Ça s'accumule et cette anarchie, ce manque d'ordre dans le marché risque de nous mener vraiment vers une impasse. Il y a une règle prudentielle. Le régulateur, en général, exige des compagnies d'avoir des provisions à la hauteur des dossiers en suspens ou des engagements. Enfin, oui, le régulateur l'exige, mais il y a plusieurs techniques dans la loi. Moi, chacun, il applique la technique. Aujourd'hui, on se pose la question sur la capacité des compagnies à... Parce que quand on analyse, certaines coûts moyens de provision ne répondent à aucune logique. Logique technique ni managériale, on ne sait pas sur quelle base ils ont été faits et sur quelle base ces compagnies... Vous savez, je vais prendre un exemple très simple, très simple. Je ne vais pas citer les compagnies par respect, parce que c'est des collègues. Vous avez deux compagnies qui sont d'égale valeur sur le marché. Alliance Assurance, elle a 4% du marché. Une autre compagnie, elle a environ 4%. Hassan Khalifadi va la retrouver. Hassan Haddouche va la retrouver. Je vois de qui vous voulez parler. Non, voilà, c'est pas grave. C'est juste 4% va vite la retrouver. Non, c'est juste pour illustrer. Ouais. Alliance Assurance, elle a... 10 000 dossiers sinistres, toutes années confondues, en stock, dont 95% concernant les derniers mois de l'année 2015, avec une moyenne de 70 000 dinars de provision. Une compagnie d'égal... 70 000 dinars par dossier. Par dossier. Une compagnie d'égal poids, elle a... Et elle n'est pas la seule. C'est ça le problème. 100 000 dossiers avec 17 000 dinars. De provision par dossier. Faites vos calculs. La moyenne du marché, elle est de 55 000 dinars. Nous, on est des usagers, des consommateurs des primes d'assurance et on peut être inquiet. C'est-à-dire, si on continue à évoluer dans un système qui n'arrive pas à capter de la valeur, c'est ce qui s'est passé en 2015, il aurait dû en capter jusqu'à 25 milliards de dinars, il a capté moins de 1 milliard. 200 millions de dinars. 200 millions de dinars, voilà. Je voulais rester large. Et le risque, c'est qu'il y ait des compagnies qui n'arrivent plus à assurer leurs prestations. Si on continue comme ça, avec cet écart-là entre le nombre de dossiers encore traités, les provisions qui sont faibles. Oui, moi j'en avais parlé, si vous vous rappelez, début 2015, des risques systémiques. Et je maintiens ma position, même si ça ne va pas plaire à beaucoup de monde et ça, on va me le reprocher. Non seulement on ne capte pas, mais il y a les intérêts du Trésor qui ne sont pas sauvegardés. Parce que sur 25 milliards, vous avez au moins 20% de TVA et de TAP. 5 milliards de dinars.
au profit du trésor public. Bien, ça, c'est la première des choses. Sur les 25 milliards, vous avez au moins 12 à 13 milliards de capacité de placement sur le marché financier des compagnies d'assurance en provision. Donc vous êtes en train de nous dire, monsieur Kifati, que si le marché fonctionnait normalement, que s'il tarifait normalement ses primes et ses engagements, il y aurait plus de possibilités de prélèvement pour l'État. Oui, le trésor s'en sortirait mieux. Bien sûr. Est-ce que le ministre des Finances, enfin, il vient juste de changer, parlons du précédent, est-ce qu'il était sensibilisé à cette question ? Est-ce qu'il a essayé de faire quelque chose pour que ça soit le cas ? Pour être honnête avec vous, on en a discuté à titre personnel à plusieurs reprises. Il était à l'écoute, on a échangé beaucoup. Mais malheureusement, je pense qu'il n'a pas eu le temps. L'actuel ministre qui vient d'être nommé, Monsieur Baba Ami, il a l'avantage de venir du secteur, il connaît la maison et c'est l'ancien directeur général du Trésor. Donc je pense que nous avons la possibilité de le voir prochainement. On a eu une discussion informelle, il a démontré une capacité d'écoute. J'espère qu'on pourra avancer d'abord, pas en tant qu'Alliance, en tant qu'UAR, ministère des Finances, pas en tant qu'Alliance, parce que là, on parle du marché, on alerte sur les risques du marché. Alors, dès que vous passez de Alliance à UAR, vous avez tout de suite les compagnies historiques, oui. Les compagnies du secteur public. Est-ce que finalement, cette distorsion qui existe dans le secteur, ce n'est pas du fait de la présence encore prédominante, un peu comme dans le secteur des bancaires, où le gros du marché est détenu par les banques publiques? Est-ce que ce n'est pas à cause des compagnies publiques qui ont intérêt à maintenir les prix bas? Oui, on peut le dire comme ça. C'est-à-dire, enfin, c'est une question, hein. Moi, je vous pose la question. C'est-à-dire les choses, bien sûr, peut-être avec un régulateur complètement indépendant et un propriétaire des capitaux privés ou publics complètement indépendant, peut-être les choses doivent aller d'une autre manière. Vous dites que le régulateur n'est pas indépendant. Enfin, aujourd'hui, le régulateur, c'est pas qu'il n'est pas indépendant, mais il est relativement indépendant parce que le régulateur... Les compagnies appartiennent au Trésor public et le régulateur il est présidé par le directeur général du Trésor public. Donc, conflit d'intérêts. Enfin, je sais pas. C'est comme si à la tête de la RPT, on avait quelqu'un qui est propriétaire de Mobilis. Oui. Pour essayer d'aller vers un secteur dont on connaît un peu mieux la régulation. C'est-à-dire la régulation, elle gagnerait mieux à être... complètement indépendante. Monsieur Malifati, pour être clair sur cette question-là, moi je voudrais comprendre. Bon, vous nous dites, on a eu d'assez mauvais résultats, parler du secteur en général et d'Alliance Assurance en particulier, d'assez mauvais résultats en 2015. Bon, vous ajoutez qu'Alliance Assurance a tiré son épingle du jeu en s'efforçant de réduire ses coûts en interne. Donc, vous nous dites que vous êtes un peu le champion du remboursement. C'est ce que vous êtes en train de nous dire, puisque vous dites toujours on a 10 000 sinistres, alors que la moyenne du secteur, en instance, alors que la moyenne du secteur, c'est 55 000 sinistres. Et il y a même une compagnie de la même taille que la vôtre qui a plus de 100 000 sinistres. Alors, je veux dire, vous avez fait des promesses, vous, en matière de délai de remboursement. Est-ce que vous les avez tenues? Est-ce que vous avez réduit les délais de remboursement? Vous êtes le champion du remboursement. Enfin, je ne peux pas m'octroyer le titre de champion. Les chiffres disent. Vous savez, aujourd'hui, vous pouvez le vérifier au niveau du CNA, les chiffres sont disponibles. Ouais. C'est combien vos délais de remboursement, vous, alors? En moyen, hein? J'arrive. D'abord, en termes de taille, vous avez aujourd'hui Alliance Assurance qui a le plus petit stock de sinistres au niveau national, tout année confondu. Vous avez des compagnies qui font 45% de notre chiffre d'affaires qui ont le double de notre stock sinistre. Ou le triple, ou 10 fois plus. Donc, sur ça, on est à l'aise et les chiffres sont disponibles. Vous pouvez aller les voir chez CNA. Par contre, le délai des sinistres, nous nous efforçons à le réduire aujourd'hui. Nous avons 95% de nos sinistres. Les petits sinistres. Tous les sinistres confondus. Ouais. Aucun dossier sinistre qui dépasse septembre 2015. C'est-à-dire, pour les gros sinistres et les petits sinistres, nous avons... Septembre 2015, ça fait quand même 9 mois en arrière, ça. Non, les gros sinistres, j'arrive. Ouais. Aujourd'hui, nous avons, sur l'année 2016, nous avons, et 2015, nous avons atteint une capacité...
de cadence de règlement de 87%. 87%. Aujourd'hui, les petits sinistres, nous avons tenu à être à moins de 10 jours. Nous avons des soucis avec le retour d'expertise qui nous pose beaucoup de problèmes et sur lesquels on a décidé depuis une année de travailler et nous sommes en train de faire agréer une plateforme d'expertise par l'UR et nous avons la promesse que ça sera réglé avant fin juillet où nous allons passer à partir de septembre à la télé-expertise, c'est-à-dire pour réduire les délais de sinistre, surtout des moins de 100 000 dinars, à 3 jours. À 3 jours. C'est ça votre objectif, 3 jours. Oui, 3 jours. Oui, c'est-à-dire, nous avons quelqu'un qui se présente dans une agence, si le sinistre est moins de 100 000 dinars, si le préposé, avec une tablette qui prend les photos, qui le transfère sur une plateforme d'expertise, dans les 24 heures, il a son expertise, il pourra régler son sinistre. Donc c'est ça l'objectif qu'on s'est arrêté. Il y a beaucoup de contraintes techniques, juridiques. Ça doit être agréé, cette plateforme d'expertise, elle doit être agréée. Oui, par l'UR. L'UR et le dossier, pas plus tard qu'hier, on parlait avec les responsables. Ils nous ont promis de programmer la commission avant la fin juillet. Mais aujourd'hui, vous êtes à 10 jours. Hein, pour à 10 jours. Vous êtes à 10 jours. D'accord. Donc vous avez progressé. Oui. Il y a quelques mois, vous nous disiez deux semaines. Donc, oui. Le critère le plus important pour nous, c'est que. En 2016, nous sommes arrivés à régler plus que les déclarés. C'est-à-dire, nous consommons sur les stocks anciens. D'accord. Donc, mais monsieur Khalifati, en dehors d'Alliance Assurance qui obtient de bons résultats, qui est un bon exemple, donc apparemment, un exemple à suivre par les concurrents, si on vous entend bien. Il y a un problème, vous dites qu'il y a un problème systémique. Bon, il y a un problème systémique, il y a des sinistres qui s'accumulent, des volumes de sinistres qui s'accumulent. Comment est-ce qu'on en sort ça, de cette situation-là? Est-ce qu'on en sort en augmentant les tarifs? Quelles sont les solutions qui permettent de sortir de cette situation-là? Il y a deux choses. D'abord, ce n'est pas les tarifs. Vous savez, on parlait de l'augmentation de la RC, mais finalement, c'était une illusion pour nous. Et l'année 2015 a tout démontré. C'était un faux combat d'aller sur la RC. On peut rappeler aux auditeurs, la RC, c'est l'augmentation de la responsabilité civile. C'est une garantie obligatoire. Bien que ça reste un dossier chaud qu'il faut traiter. Mais aujourd'hui, comment sortir? Nous, avec l'ancien ministre des Finances, on a proposé une démarche graduelle. La démarche graduelle, c'était quoi? C'était au moins que les compagnies respecte les tarifs visés. Visés par le ministère. Sans aller sur l'augmentation des tarifs RC. Dans une première étape. La deuxième étape, il faut que le régulateur s'assure que les compagnies approvisionnent au bon coût moyen, au moins pour l'année en cours et les années à venir, pour rééquilibrer les choses. Monsieur Rifati, vous voulez obtenir la même chose, mais par un détour. C'est-à-dire, si vous obligez les compagnies à approvisionner au bon niveau les risques, ça veut dire qu'au bout d'un moment, elles vont être obligées d'augmenter leur prime parce qu'elles ne pourront pas sinon approvisionner. C'est pas qu'elles. Au lieu que ce soit le régulateur qui l'impose, ce sont les règles du régulateur qui vont, par ricochet, obliger les compagnies à. Elle n'augmente pas, elle arrête de vendre à perte. Oui. Elle n'augmente pas. Parce que quand quelqu'un vous offre... En fait, vous dites, appliquons les tarifs plutôt que de les augmenter, commençons déjà par les appliquer. Voilà, et de les respecter. Ouais. Parce que, et aussi, même les impôts, le responsable des impôts va dire, écoutez, vous avez visé un tarif, moi je vous taxe sur le tarif, si vous voulez... Vendre en dessous. C'est votre problème, problème. Oui. Donc, parce que sinon, les compagnies, elles seront obligées d'aller chercher de l'argent pour équilibrer leur Quel provision. Quel est le niveau d'écoute de vos collègues de l'UAR? Quand il y a cette proposition sur la table. Vous savez, le niveau, chacun, il a ses propres contraintes, il a ses propres objectifs. Bon, l'écoute, elle est aujourd'hui, elle est positive, mais on n'est pas encore passé aux actes. C'est-à-dire, on discute, surtout aujourd'hui, on a un avantage qu'on a des managers publics qui sont à l'écoute, mais on n'arrive pas
à aujourd'hui à imposer une démarche. Il y a eu un changement de management à la tête du staffing de l'UAR il y a 18 mois. En septembre 2014. Il s'est passé des choses. Vous étiez assez optimiste, je me rappelle, lors de vos passages à l'invité du direct. Vous êtes vice-président d'ailleurs de cette organisation. On a fait beaucoup de choses avec le président et le délégué général. On a pu faire avancer le dossier de liquidation. On a liquidé l'année 2010. 2011, nous venons de liquider 24 000 dossiers au 30 juin. Passé avec 1 milliard de dinars d'échanger. On s'est promis pour 2012 de le régler avant fin juillet 2016 et d'attaquer 2013-2014. Il y a quand même des sujets qui fâchent entre vous. Monsieur Khalifati, pour que je comprenne bien, donc vous nous dites la solution, ce n'est pas l'augmentation du tarif, c'est le respect des tarifs, disons, qu'on vise. C'est-à-dire qu'il faut arrêter les rabais, il faut arrêter les... Oui. Et qui est-ce qui fait des rabais? C'est les compagnies privées, publiques, tout le monde fait des rabais. Tout le monde, mais tout le monde n'est pas dans la même enceinte. Pourquoi? Parce que regardez, le marché, vous avez le public, vous avez le privé. Le public, ils ont une chasse gardée sur les gros risques publics. Donc, elles ont un peu de gras pour agir. Un marché captif. Captif. Donc, on vous pousse vers l'automobile et on baisse les prix. Donc, on vous fragilise davantage. Et vous êtes obligé de survivre, d'essayer de faire des choses. Parce que on pourra me renvoyer la question, me dire « Bon, pourquoi vous innovez pas ? Pourquoi ?» Mais quand vous êtes dans une guerre de prix, les gens, ils cherchent beaucoup plus le prix. Donc quand votre seul souci est de survivre dans un environnement aussi hostile. On a essayé d'innover, de créer des choses, mais c'est pas toujours évident. Alors, est-ce qu'une des solutions, c'est quand même pas d'aller aussi dans ce marché captif qui est quand même important, qui est le risque corporate, qui est le risque entreprise et dans lequel le parc public est important. Il serait quand même bienvenu que les compagnies privées puissent challenger les historiques. Or, il se trouve qu'il semblerait que de ce côté-là, ça reste complètement fermé. Vous venez de faire une enquête au Conseil de la concurrence sur des clauses pour obtenir les marchés que vous considérez comme n'étant pas légal. Oui, nous avons fait par principe. Nous avons fait en janvier 2015, nous avons soumissionné dans un appel d'offres public dans une compagnie de travaux publics, bien que nous savions qu'on allait être éliminé parce qu'ils ont exigé un capital de 4 milliards de dinars, alors que la loi exige 2 milliards de dinars. Et nous nous sommes plaints auprès du Conseil de la concurrence. Nous avons été auditionnés après 6 mois. Après 18 mois, il y a même des entreprises privées qui font partie de ce conseil. Et le conseil de la concurrence. D'accord. Et nous avons été surpris de dire non, il n'y a pas d'entorse à la règle. D'entorse. Une compagnie peut décider elle-même de changer des règles consacré par la loi. Quand le président de la République signe une loi qui dit le capital minimum, c'est 2 milliards de dinars, quand le chef du gouvernement signe que toutes les compagnies doivent passer par la CCR pour placer le risque à 50%, il y a quelqu'un, un manager public, il dit voilà, moi je haïs le privé, je n'aime pas le privé et je fais tout pour que le privé ne vienne pas chez moi. Il change les règles de la loi. Quand il ajoute dans son cahier des charges, il fait passer l'exigence de 2 milliards de dinars de capital à 4 milliards, ça élimine les compagnies privées et ça... D'office, de facto. Vous avez fait recours devant quelle instance, Le Conseil de la concurrence. Et c'est le cas souvent dans... Oui. Après, maintenant, en 2016, c'est pire. Parce qu'on demande 10 milliards. C'est des cas de charge. 10 milliards, on cible directement le leader du secteur. Les leaders publics. Donc le recours a été rejeté par le... Oui, le verdict a été qu'il n'y a pas eu d'entorse à la loi, alors que la loi, elle est claire. Donc nous, on l'a fait pour principe parce que nous avons fait le deuil du secteur public depuis des années. Nous ne soumissionnons plus de ça. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le Conseil de la concurrence est au service du secteur public et que
le Conseil de la concurrence n'a pas assez d'indépendance pour nous, parce que de liberté d'action pour être au-dessus de la mêlée. Ça, c'est, et nous sommes en train d'étudier comment faire un recours, parce que c'est un combat de principe. Ce n'est pas un combat parce que nous voulons... Non, monsieur Khalifati, je voudrais savoir... Alors, cette logique d'ensemble de distorsion de la concurrence, disons, vous considérez qu'elle exclut les compagnies d'assurance publique privées d'un certain nombre de marchés, en particulier hors du marché auto. Ça veut dire que, par exemple, Allianz Assurance se retrouve avec une proportion de son chiffre d'affaires réalisé sur le marché automobile plus importante que la moyenne. Vous faites combien, vous ? Oui, nous sommes à 72%. 72%, d'accord. Oui. Et ça, c'est général pour les compagnies privées. Oui, c'est général. Vous repoussez donc tous vers le marché auto. Vers et en contrepartie, on baisse les prix. Donc, bien sûr, ça donne ça. C'est une question qu'on vous a déjà posée à l'invité du direct. Est-ce qu'il y a une meilleure solidarité entre patrons privés ? Vous êtes toujours membre du Forum des chefs d'entreprise. Quand il y a de grands risques corporate à assurer dans le secteur privé, est-ce que les chefs d'entreprise qui ont ce risque à assurer se retournent quand même un peu vers les compagnies privées ? Ça s'est amélioré. Avant, ce n'était pas le cas. Ce n'est toujours pas le cas, mis à part quelques chefs d'entreprise par amitié, vous savez... Pourquoi seulement par amitié ? Allianz Assurance est une bonne compagnie. Oui, mais je ne sais pas, on a fait des démarches auprès des membres du CMI, on a fait des démarches auprès des membres du FCE, on essaye, mais des fois le problème c'est qu'on ne nous laisse même pas soumissionner, c'est ça le problème. Alors qu'on passe par le même réassureur, on a les garanties d'avoir un des meilleurs ratings de réassureur, mais c'est ancré dans les esprits. Le public, soit on veut plaire aux autorités de dire voilà, nous soutenons le secteur public, soit on ne se fait pas confiance. C'est comme je l'ai schématisé, on monte sur la terrasse et on fait monter l'échelle, on ne voit pas que les autres montent. Donc il y a de tout ça. Mais nous pensons que ça va encore changer. Les choses vont évoluer, mais malheureusement, il n'y a pas de solidarité. Elle est relative, elle est dans le discours, mais dans la réalité, chacun pour soi, Dieu pour tous. Monsieur Rivetti, vous avez donc donné un dividende relativement généreux lors de votre AGO à vos actionnaires. Dans un premier temps, on a pu penser que c'était une stratégie pour faire remonter le cours de l'action Allianz à la Bourse d'Alger, un cours qui avait baissé, on va expliquer les raisons rapidement, depuis votre souscription en 2010-2011. Est-ce que c'était ça l'objectif ? Pourquoi vous avez donné un dividende au-dessus de la moyenne des dividendes ? Et en quoi c'était généreux, justement ? En quoi c'était généreux, ce que vous avez... D'abord, c'était généreux parce que... Ça représente quand même 7% du cours actuel et ça représente 56% de nos résultats de l'année. Ça, c'est d'une part. En fait, c'est surtout le ratio 56% qui est important. Alors que la moyenne internationale est de 30%. Hassan est en train d'hocher la tête. Il a laissé passer l'occasion d'acheter des actions. La deuxième des choses, nous avons donné ce dividende aussi pour remercier nos actionnaires d'avoir fait confiance. Nous n'avons pas l'illusion de faire remonter le titre. Le fonctionnement, l'engagement des acteurs, et notamment des EOB, n'est pas au rendez-vous. Aujourd'hui, il y a un débat. Nous avons eu l'échec de El Kbira qui nous interpelle. Il y a un débat. Est-ce que c'est technique ? Il faut régler les problèmes techniques. Est-ce que c'est politique ? Est-ce que c'est les deux ? Est-ce que c'est juridique ? Nous, on a dit notre position, elle est claire. C'est vrai que le système de fixing, ça reste technique. C'est des choses qu'on doit régler, mais ce n'est pas ça l'essentiel. Aujourd'hui, il y a une rupture de confiance entre les petits investisseurs et le marché financier en général. Nous avons des échecs sur plusieurs dossiers, mais je reste sur la bourse. Pourquoi ? Ça, c'est notre conviction. Que tant que on règle le problème, on ne règle pas le problème de l'animation, de la liquidité, de l'engagement financier et effectif des UOB, on va tourner en rond. Je vous repose une question. Vous portez une proposition, on l'a évoqué deux fois dans l'invité du direct pour l'évaluer, la mettre à jour, c'est de consacrer
une partie du chiffre d'affaires des banques qui ont des, qui sont IOB et les institutions financières qui soient dédiées à l'animation de la bourse. Oui. C'est-à-dire, en gros, pour expliquer à nos amis auditeurs, à acheter et à vendre des actions. Voilà. Et vous dites que tant qu'il n'y a pas une contrainte qui oblige ces institutions-là à faire ce rôle d'animateur de la bourse, la bourse ne va pas bouger. Oui. Vous continuez à le dire. Alors, ma question, c'est est-ce que vous avez essayé de l'expliquer au ministre des Finances, le précédent, et est-ce que vous comptez l'expliquer à celui qui vient d'arriver ? On ne cesse de l'expliquer, bien sûr qu'on lui a expliqué. On l'a expliqué au ministre des Finances, aux banques, même au Premier ministre, nous avons même des écrits. On a expliqué, on a fait cette proposition. Pourquoi ? Parce que le problème n'est plus d'Alliance Assurance. Aujourd'hui, Alliance Assurance, c'est un problème. Nous, on est en train de racheter nos propres actions. Aujourd'hui, si vous allez sur le site de la bourse, vous trouvez que le titre Alliance, depuis une année et demie, il est acheteur, il n'est plus vendeur. Il n'y a plus d'actions en vente qu'on ne rachète pas. On rachète tout ce qui tombe. Parce que nous croyons en notre titre et nous le rachetons à bon prix. Dans une année et demie, peut-être deux ans... Il n'y aura plus de flottant. Peut-être qu'il n'y aura plus de flottant. Est-ce qu'on a réglé le problème ? On n'a pas réglé le problème. S'il n'y a plus de flottant, vous sortez de la bourse. Mais notre combat, il va au-delà de Alliance, il va au-delà de NCA. Il va sur le marché financier. On se bat pour qu'on ait un marché financier, que les gens assument leur responsabilité de mettre un marché financier en Algérie, de prendre des décisions. Il y a trois problèmes. Problème de la pénalisation de l'acte de gestion qui n'est pas totalement levé. Nos amis banquiers, ils ont peur. Ils nous disent, ouais, moi, je ne peux pas prendre de risques. L'animation boursière et la liquidité des titres. Pourquoi on a demandé que les banques achètent et vendent ? Parce que prenez un exemple. Quelqu'un qui a acheté son titre Alliance ou Biopharm ou NCR UBA. Ça a commencé avec Alliance. 142% de souscription. On est descendu à 103% chez NCR UBA. Biopharm, 80-85%. Et moins de 5% pour... Pourquoi ? Pour Kibera. Parce que dans la conscience collective, quand quelqu'un a acheté son action à Alliance, elle meurt dans son bras. C'est-à-dire, il ne peut plus les liquider quand il veut. Qu'est-ce qu'il fait ? Demain, vous lui dites, une autre action, ça ne va pas. Donc, c'est pas la faute des responsables Kosovo. Je jette là pas la personne. C'est pour ça que j'ai dit, c'est un dossier qui doit être géré par le Premier ministre. Vous avez évoqué deux problèmes à propos, disons, de la... C'est vrai qu'on est dans une vraie impasse et dans une vraie situation difficile, avec un signal extrêmement grave, avec l'échec de l'introduction en bourse de la cimenterie de Ain Kebira. Bon. Est-ce que vous avez évoqué, vous, un problème ancien, c'est le problème de la liquidité. Très bien. Un problème ancien, qui est le problème de l'animation. Très bien. Donc, des problèmes connus. Est-ce qu'il n'y a pas, en plus, quand même, un problème... conjoncturel, qui est celui de l'emprunt obligataire, c'est-à-dire que d'un appel considérable, disons d'un appel de fonds considérable à l'épargne publique qui parasite évidemment toutes les opérations plus petites. Et puis, est-ce qu'il n'y a pas un autre problème spécifique à Ain Kebira, qui est le fait que c'est une entreprise publique qui n'est pas tellement connue ? Je veux dire, on a eu quand même en même temps Biopharm, ça s'est relativement bien placé. Là, il y a un projet plus... je veux dire, est-ce qu'il n'y a pas un problème spécifique lié au fait que les gens, je ne sais pas qu'est-ce qu'ils nous a dit ça sur ce plateau il n'y a pas très longtemps, qui nous a dit en fait que dans le cas d'Ain Kebira, les gens ne font pas confiance au management des entreprises publiques. Non, tout est relatif. Bien sûr que ces problèmes existent, le problème de timing, le problème de l'emprunt obligataire, le problème de la compacte communication qui n'était pas intense. Donc, tout ça, c'est des explications relatives. Mais aujourd'hui, à mon avis, ça reste mon avis, même aujourd'hui, demain, il y aura peut-être le CPA, la CAR. On verra. Parce que le problème, Biopharm, il a su mobiliser certains gros investisseurs qui ont mis le paquet. Parce qu'ils connaissent le secteur, qui étaient intéressés. Gros investisseurs publics ou privés ? Privés surtout. Privé. Bon, il y a eu, je pense, les banques qui ont intervenu à la fin pour la clause de bon fin. Mais bon, il y a eu des privés. On a parlé de Civital, on a parlé de Mirinal, on a parlé de gros tickets qui ont quand même
parce qu'ils connaissent l'entreprise, ils connaissent le secteur. Mais le problème, c'est l'engouement populaire si on veut faire une bourse. C'est les petits investisseurs. Et c'est ça aujourd'hui qui pose problème. Aujourd'hui, disons-le, peut-être c'est ces causes-là. Mais on verra. D'ici 3. Si moi je suis frappé par le fait quand même pour Henk Elkebiaban, c'est vrai qu'on comptait beaucoup sur les petits investisseurs, mais dès le début on nous a dit les petits investisseurs, ce sera l'objectif, c'était 30-35%. On avait dit les investisseurs institutionnels vont mettre 65%. Donc là les investisseurs institutionnels, ils n'ont pas répondu présent puisqu'on n'a fait que 5%. C'est-à-dire qu'y compris les investisseurs institutionnels, en fait, n'ont pas reçu d'instruction pour aller pour acheter. Là, oui, mais oui, bien sûr. Ouais, bon. Bien sûr. Après, ça reste. Est-ce qu'on continuera à gérer une bourse avec des instructions politiques, ou bien on crée le marché, on crée la dynamique? C'est ça la vraie question. Vous rappelez le contenu alors de votre proposition, le contenu. Le contenu, rapidement, on a dit, et ils ne sont pas le seul pays. J'ai retrouvé un ami qui m'en a parlé. Même Balladur l'a fait en 86 quand il était premier ministre. Balladur a ordonné aux banques et à la Banque de France, et la Banque de France a ordonné aux banques d'animer la bourse de Paris et de créer des boucs et de racheter. Parce que c'est ça qui crée la dynamique généralement. C'est ce que nous a dit Omar Berkou, qui a pas voilà. Ben Ali, quand il était président de la Tunisie en 87, l'a fait. Beaucoup de pays l'ont fait. C'est comme ça. Donc là, on a dit que, d'abord, clarifier la dépénalisation de l'acte de gestion. Deux, que toutes les institutions financières, banques, assurances, les fonds, les caisses, etc., consacrent 1% de leurs chiffres à l'animation boursière. Acheter, vendre, animer la bourse pendant une période de 5 à 10 ans. Après, elles peuvent sortir si elles veulent. 1% de leur chiffre d'affaires. Hein. 1%. Faute de quoi, ce 1%, c'est comme la taxe de la formation. Ils le paieront en taxe qui va à la création de sociétés spécialisées. Pourquoi on dit ça? Parce que on veut que... D'abord, si on doit payer 1%, on s'intéresse à créer les conditions dans le réseau pour répondre aux petits investisseurs quand ils viennent. Deuxièmement, chaque petit investisseur, quand il a besoin de liquidifier ses titres, il trouvera une réponse. Ça fait beaucoup, ça, 1%. 1%, ça représenterait quel montant? Vous avez une idée à peu près? On a parlé de 10 milliards de dinars à peu près. 10 milliards de dinars, oui. Par an? Oui, oui, mais bon, c'est uniquement une proposition. Après, il faut en discuter. C'est une idée comme une autre. Ça peut être 1%, ça peut être 5%, ça peut être 0,1%. On attend toujours que cette proposition, qui est née, je crois, sur ce plateau, d'ailleurs, il y a 2 ans, soit un jour peut-être trouver un écho auprès du ministère des Finances et du gouvernement. Évidemment, on a essayé d'autres solutions. Effectivement, il y aurait peut-être intérêt à l'essayer. Monsieur Rifiati, vous étiez présent à la soirée de levée de fonds du Forum des chefs d'entreprise au profit de l'emprunt national pour la croissance économique. Vous avez souscrit une partie des coupons? Oui, nous avons souscrit pour 1 milliard de dinars, c'est-à-dire 100 milliards de centimes. Alors, c'est un acte patriotique ou c'est un calcul de placement? Enfin, je dirais beaucoup plus les deux. Parce que, comme vous le savez... Les assureurs, c'est des investisseurs institutionnels. Nous avons une opportunité sur le marché financier. Nous avons profité de cette opportunité. Et puis, bon, à titre personnel, nous avons fait des petites souscriptions à titre personnel. Mais en tant qu'institution, nous avons soutenu cet emprunt par d'abord un acte de souscription et par un acte de sensibilisation dans notre réseau. Nous expliquons, nous faisons des affichages dans notre réseau, nous distribuons des flyers. Nous pensons avec notre... Alors, vous avez possibilité De souscrire. Et une rétrocommission du Trésor? De 1%. D'accord, c'est intéressant. Oui, et nous avons notre conseil financier, que vous connaissez, M. Berkouk, qui va venir dans une semaine, il va faire la tournée des 15 agences principales. Il va les former, les sensibiliser pour aller aussi vendre du coupon public. Enfin, même ne pas le vendre, mais de sensibiliser nos clients. Nous essayons aussi de les mobiliser.
Monsieur Khalifati, une chose que je n'ai pas compris, qui n'est pas claire dans mon esprit, c'est-à-dire vous êtes soumis à une règle précise en matière de placement de vos réserves. Il y a 50% de vos réserves qui sont déjà placées chaque année en bons du Trésor. En valeur d'État, voilà. Vous nous avez dit que vous aviez près de 2 milliards de dinars au moment de votre dernier passage. Bon, est-ce que le milliard de dinars supplémentaires là, que vous allez placer, est-ce qu'il est compté dans les réserves obligatoires là, ou alors oui, est-ce que bien c'est... sûr. Ah ouais. Parce que une partie, c'est-à-dire c'est moitié-moitié, une partie qui est arrivée à échéance, nous l'avons reconduite sous forme d'emprunt. Donc, ça compte dans les 50%. Le milliard de dinars va compter dans les 50%. Bien sûr, ça fait partie de... C'est une très bonne affaire pour vous. Oui. Peut dire pourquoi c'est une bonne affaire, parce que c'est beaucoup mieux rémunéré que le dépôt obligatoire en valeur d'État. Oui, c'était qui ramène 1%. Aujourd'hui, 1,60. Ouais, 1,25. Oui, parce que c'est des anciens placements à long terme. Donc nous avions une tombée d'échéance qui est arrivée pour la moitié, que nous avons reconduit en emprunt. Et nous avons prévu de mettre encore 500 millions au moins d'ici la fin de l'opération. Donc les valeurs d'État, c'est 1,25% actuellement. Il y en a plusieurs taux. Ça dépend de la période. C'est un taux moyen, ça. C'est un taux moyen. Oui, 1% et demi. Alors, vous êtes un acteur, vous êtes devenu un acteur de cette opération-là. Vous émettez quel avis sur cette opération-là? On a reçu M. Kamal Benkoussa, financier, c'était moi qui l'avais reçu en l'occurrence, la semaine dernière, qui disait que, de son point de vue, c'était un échec parce qu'on était très loin des montants qui permettent de financer le déficit budgétaire. Vous dites quoi de cette opération? Qu'elle est bien conduite, qu'elle est en train de réussir, qu'on est au tout début, que la mentalité, vous êtes au contact de la clientèle, des épargnants à travers votre réseau. Vous pensez que ça va encore monter en crescendo? Vous pensez qu'on a été à un plafond? Enfin, bon, j'ai pas les chiffres. J'ai la seule déclaration qui a été faite par le ministre des Finances lors de cette soirée, qu'il a dit que les chiffres seront annoncés, ils seront surprenants. Il avait affiché un grand optimisme. Aujourd'hui, les chiffres disponibles sont provisoires. Je pense que cette opération, il faut attendre qu'elle aille jusqu'au bout, parce que généralement... le 17 octobre, parce que généralement au bout de 6 mois. Beaucoup de monde souscrit à la dernière minute. Je ne peux pas dire qu'elle a échoué ou qu'elle a réussi, parce qu'on n'a pas encore les chiffres. Ce qui est sûr, c'est que beaucoup de chefs d'entreprise affichent un sentiment positif, mais ils ont eu aussi, je pense que c'est intelligent, d'avoir la possibilité aussi d'utiliser ces bons comme garantie, comme... Collatéral. Collatéral. Ça va leur donner plus de flexibilité pour financer leurs projets. Mais ce que j'ai dit à la soirée du FCE, c'est que peut-être il serait utile que le FCE, juste avant la fin de l'opération, qu'il reproduise la même chose à l'intérieur du pays et surtout... dans les wilayas à fort potentiel de disponibilité financière. Parce que ces publics-là, on peut dire qu'ils n'ont pas été captés. Tout ce qui est un peu à la lisière du formel et de l'informel, voilà. même dans le formel, mais tout ça n'a pas été encore capté. Oui. On a bien le sentiment que... Oui, même les banques, je pense, elles doivent faire un effort supplémentaire de former leur personnel pour aller chercher et capter. Parce que, à mon avis, les formations ont été beaucoup plus... relatif, c'est-à-dire peut-être un effort de communication et de formation de la part des banques, des assureurs et des institutions, il est plus que nécessaire pour pousser encore plus loin la réussite de cette opération. Ça semble a priori une très bonne opération, ça, pour les compagnies d'assurance. Oui. Si vous placiez vos réserves à 1,2% et maintenant vous les placez à 5-6%, je veux dire, c'est... En fait, la totalité de vos réserves va être placée dans le cadre de ce type d'emprunt. Enfin, ça ne se passe pas comme ça. Bien sûr, si l'emprunt il sera coté en bourse, on rachètera à chaque fois de tomber des chiffres. C'est normal. C'est normal. Nous sommes. Sur le plan le marché financier, c'est une très bonne opportunité pour nous d'investissement. C'est tout à fait normal. Et c'est pour ça que l'engouement des assureurs a été rapide et total. Mais je dirais que les capacités des compagnies d'assurance actuelles et la non-capacité à cause du dumping qu'on a discuté fait en sorte que
on va mobiliser 200, 300 millions d'euros, mais pas plus. Pas plus. On ne peut pas aller au-delà. C'est-à-dire. Monsieur Rifferti. Des compagnies d'assurance, 200, 300 millions d'euros. Enfin, ça, c'est mon estimation, ouais, peut-être c'est un peu plus. Mais je pense. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a beaucoup de placements qui ne sont pas encore arrivés à échéance. On ne peut pas les casser tout de suite. Ouais, donc, peut-être ouais, si l'emprunt sera reconduit. Peut-être les compagnies, elles vont, à chaque retombée d'échéance, elles vont transférer vers l'emprunt. Monsieur Rifferti, on arrive un peu à la fin de cet entretien. Il y a toujours beaucoup à dire avec vous et avec le secteur des assurances et le secteur financier. On va quand même essayer de se projeter dans une dernière série de questions sur l'avenir. Alors vous, la crise est en train d'arriver, une crise financière, une crise des finances publiques. On attend un peu le contenu de la loi de finances pour 2017. On est inquiet d'ailleurs parce que les prix du pétrole ne se sont pas redressés, parce que les réponses du gouvernement n'ont pas encore donné leurs meilleurs effets. Hassan Haddouch peut avoir un avis différent. Est-ce que vous restez quand même optimiste sur votre activité dans le contexte, on va dire, de crise qui est en train de s'insinuer en Algérie? Est-ce que le secteur des assurances, on parle beaucoup d'économie des services dans la nouveau modèle de croissance, on dit économie de services, ça vous parle? Vous pensez qu'il y a une opportunité quand même dans la crise? Il y a une opportunité, certes, dans la crise, si on prend les bons chemins de réformes structurelles pour notre secteur. Pour être sincère avec vous, je suis pessimiste. Je suis pessimiste parce que je ne vois pas les prémices de l'implication des acteurs pour réformer réellement, sauf s'il y aura dans le grand plan, un nouveau modèle économique, des décisions courageuses de réformer en profondeur tous les secteurs, et notamment le secteur des assurances, et aussi que le régulateur s'implique en toute impartialité pour mettre le holà et mettre de l'ordre. Le secteur des assurances a les capacités actuelles, même en cas de diminution de la commande publique, de résister, à condition qu'on arrête les règles et qu'on ne fait plus ces règles. C'est-à-dire, aujourd'hui, le problème, c'est que nous sommes dans une situation où il n'y a pas de règles réelles. Il n'y a pas de règles. Parce que quand vous avez, je vais schématiser, nous avons un même téléphone d'une marque, le même téléphone. Il sort de chez, nous sommes deux vendeurs, il sort de chez le fabricant à 100 dinars. Vous le vendez à 110 dinars, vous avez pris une marge de 10%. Moi, je le vends à 50 dinars. Je vends plus que vous. Mais soit je l'ai volé, soit que je ne veux pas payer le fournisseur. Donc, soit j'ai un marché captif qui me permet de le faire. Non, ce n'est pas possible. Oui. Parce que si vous vendez l'assurance, si l'assurance coûte 100 dinars et vous la vendez à 20 dinars, c'est que vous n'allez pas payer les sinistres plus tard. Vous allez vers une crise systémique. Aujourd'hui, On l'avait bien compris. La crise systémique, on a très bien compris, M. Rifferti. Vous êtes donc pessimiste parce que vous ne voyez pas les acteurs aller dans la bonne direction pour le moment. Et si on est pessimiste pour l'avenir de l'industrie et du secteur des assurances, est-ce qu'on est nécessairement aussi pessimiste pour le doing business en Algérie, pour le décollage, pour le nouveau modèle de croissance? Enfin, le modèle de croissance, on ne le connaît pas encore. Nous avons beaucoup d'espoir sur le modèle de croissance. Maintenant, on peut être optimiste si le modèle de croissance il sera débattu et révélé et qu'il va dans le sens plus de marchés financiers libres, dynamiques, plus de secteur privé, plus de liberté d'initiative, plus de moins de bureaucratie, moins de présence de l'État et plus de liberté économique. Nous l'attendons. C'est avec. Et je pense que de la crise naîtra le rebond. Alors, il y a une autre question et je n'ai pas envie de vous mettre mal à l'aise à la toute fin de cette émission. Nous l'attendons, nous allons la voir. Mais est-ce que cette équipe qui assure la gouvernance économique de l'Algérie est en mesure de le mettre en route? Je ne suis pas en capacité de juger les équipes. Je pense que... Dans votre secteur, vous dites qu'elle ne le fait pas. Hein. Non, moi, je ne juge pas les personnes. Moi, je juge le fonctionnement d'un secteur. Moi, les personnes, je les respecte. Il y a beaucoup de compétences, il y a beaucoup de respect entre nous. Je n'ai pas le droit de juger ni mes aînés, ni la compétence des gens. Ce n'est pas mon propos.
Mais peut-être aussi, les gens sont compétents, mais la conjoncture ne leur permet pas d'agir aussi. C'est-à-dire, il ne faut pas jeter la balle. Moi, je dis, on parle du sort d'un pays et de l'avenir d'un pays aujourd'hui. C'est-à-dire, aujourd'hui, nous sommes à la croisée du chemin et nous avons besoin d'avoir un cap et d'aller très vite dans ce cap. Et je pense que, avec tout le respect qu'on doit à tout le monde, il est nécessaire d'y aller très rapidement et clairement avec une vision. Je pense que le gouvernement a pris connaissance du nouveau modèle. Je pense qu'il va passer par les étapes réglementaires. Et dès qu'il sera connu, on espère qu'on passera très vite à l'application et à l'implication de tout le monde. Il faut espérer, monsieur Khlifati, il faut espérer. Merci beaucoup d'avoir été l'invité du direct, en dépit de cette voix un peu éteinte. Merci pour votre effort, merci et à très bientôt. Les idées sont claires. Merci. À très bientôt, amis auditeurs. Merci beaucoup et à la prochaine, Inch'Allah. Merci.